Quand on fait des reprises, de choisir un morceau, c'est pas anodin. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce morceau de Chris Cambette, sorti en 94, Les ciels si bas? Parce que c'est une des chansons de Chris Cambette que je préfère le plus, en fait. Et on travaillait à un répertoire de morceaux. On a décidé de bosser ce morceau-là, ce jour-là. Émile Sibelius l'a entendu, l'a aimé, il a voulu qu'on revienne pour l'enregistrer. Voilà. Vous avez une histoire professionnelle avec Chris Cambette. Pourquoi le choix de ce morceau en particulier? Pourquoi lui, cet artiste? C'est un artiste que j'aime beaucoup, que j'écoute depuis que je suis enfant. Et ses chansons me parlent, ses textes me parlent, ses mélodies et voilà, tout l'univers qu'il a, en fait, c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'écoute et que j'essaie de m'en rapprocher au plus. Vous êtes depuis quelques années donc au cœur de Zouk Machine, avec qui vous travaillez. On vous avait dû arrêter de travailler avec elle en ce moment. C'est en train de couper. Ça y est, on vous a de retour. Oui. Et votre dernier morceau dont on parle là tout de suite, c'est Quitter Rivière Coulée. C'est donc écrit en souvenir d'une amie qui est disparue dans des circonstances macabres. On écoute ce morceau. On revient en parler juste après. Only them can relieve the pain, and now you're gone. We have to move on, but it cannot heal the hurts that forever stains your beautiful smile. Pardon, pardon, bagager ripote. C'est ça qui fait bien fait. C'est ça qui fait bien. Oula, c'est prenant, c'est très prenant. C'est à retrouver sur vos plateformes, à retrouver sur YouTube, sur les plateformes de téléchargement. Dites-nous un peu pourquoi est-ce que vous avez écrit ce morceau, pour faire cet hommage à cet ami. Qu'est-ce qui s'est passé? On est en train de conclure, malheureusement. Oui, c'est une amie qui a été tuée au mois de janvier par son ex-compagnon. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marquée, en fait, en tout début d'année. Et j'ai écrit cette chanson pour elle, une chanson qui dit qu'il y a des blessures qui sont inguérissables, mais il n'y a que le temps qui permet de les apaiser. Et du coup, la rivière qui coule, qui représente le temps. Voilà, et c'est une chanson qui compte beaucoup pour moi. Et notamment par rapport à tout ce qu'on entend, par rapport au féminicide, à toutes les violences qu'il y a contre les femmes. Oui. Qui sont grandissantes, surtout avec le confinement. C'est sûr. Je vous remercie d'avoir été avec nous, Perle Ramenée, pour nous parler de vos derniers opus, de votre travail. Et j'espère que votre concert reporté, celui qui était prévu le 18 janvier, sera bientôt de nouveau reprogrammé. En tout cas, on reste à l'écoute de votre actualité. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux. Merci. De Perle Ramenée, P-A-E-R-L Ramenée. Yes, c'est merci ça. D'être avec nous.